Postel. Je suis professeur d'histoire en France, en collège, et je suis également élève au sein de l'école Kazeno Ryu Ogawa depuis maintenant 4 ans et demi. Et j'ai le privilège en ce moment d'étudier le Bouguer, les arts de guerre du Japon féodal, auprès de Shidoshi Jordan en Espagne. Alors en effet, c'est un privilège d'étudier avec Shidoshi Jordan et je l'en remercie. C'est une grande chance pour moi de pouvoir, pendant une semaine, découvrir toute la richesse du Bouguer et toute l'importance de la connaissance du contexte historique, culturel, anthropologique pour mieux comprendre et donner du sens aux techniques des arts de guerre du Japon féodal. Alors évidemment, il existe une relation entre mon métier, professeur d'histoire, et la pratique du Bouguer. Pour mieux comprendre cette relation, j'aimerais parler non pas des arts martiaux japonais du Japon, enfin les japonais de la période médiévale, mais des arts martiaux historiques européens. En effet, depuis plusieurs années, un petit peu partout en Europe, des gens se passionnent pour la recherche de tout un patrimoine guerrier lié à la chevalerie médiévale et aux techniques de guerre du Moyen-Âge, et essayent de comprendre comment on utilisait à cette époque-là, par exemple, un simple bouclier en moyen de défense, en attaque, comprendre le type d'armure, la manière de se servir des différentes armes, quelles blessures elles pouvaient causer, comment s'en protéger, la stratégie sur un champ de bataille médiéval, également la poliorcétique, l'art des fortifications. Bref, tout un ensemble de personnes peuvent se passionnent pour ces arts martiaux historiques européens, parfois essayent même de reconstruire créer par eux-mêmes, à partir des sources médiévales, leurs propres armures, leurs propres côtes de maille. Et je pense que beaucoup de gens ont eu l'occasion d'assister à des fêtes ou des visites guidées concernant le Moyen-Âge et découvrent toute l'intelligence et tout le sens de toute l'intelligence des gens du Moyen-Âge. Et également, en particulier, puisqu'il n'y a pas que ça, mais concernant le patrimoine guerrier, découvrent la manière de combattre, les subtilités et comprennent mieux les techniques utilisées pendant la guerre au Moyen-Âge. D'ailleurs, dans ma propre ville, il y a une association qui s'appelle De Taille et des Stocks qui étudie des techniques, pas seulement du Moyen-Âge, je crois, mais des techniques liées aux arts martiaux historiques européens. Alors, ce que je trouve dans le Bouguer, alors évidemment, moi, ça m'intéresserait également d'étudier les arts martiaux historiques européens si je n'avais pas eu un parcours dans ma vie qui lié aux arts martiaux japonais. J'aimerais pratiquer les arts martiaux historiques européens et découvrir toute la richesse et toute la contextualisation historique de ces techniques. D'ailleurs, je le fais un petit peu et j'ai l'occasion parfois avec mes élèves, lorsqu'on parle de la chevalerie, d'aborder le sujet. Et dans le Bouguer, je retrouve cet esprit-là. Pour moi, j'ai l'impression de pratiquer des arts martiaux historiques du Japon féodal. C'est-à-dire qu'auprès de Shidoshi Jordan, je découvre l'importance de connaître le sens des techniques lorsqu'elles sont replacées dans leur contexte culturel, leur contexte historique et leur contexte géographique. Voilà. Il me semble très important, lorsqu'on s'intéresse aux arts martiaux, quels qu'ils soient, européens ou japonais, de connaître l'histoire, le milieu dans lesquels ils se sont développés.
Par exemple, on a plusieurs CTKata qui ne prennent leur sens que si on a un certain nombre de connaissances concernant l'histoire, la géographie, qui ont nécessité leur création. Je prendrai par exemple un CTKata de Komiuchi, dans lequel, qui s'appelle Kaisui, qu'on peut traduire par l'eau profonde, dans lequel les techniques qui à l'origine sont faites à être utilisées qu'armure, aboutissent à une immobilisation qui a pour but de placer la tête de l'ennemi dans l'eau. Donc on comprend, si on voit le CTKata sans les explications et qu'on se demande pourquoi à la fin la personne est légèrement inclinée, si on ne connaît pas le contexte de réalisation du kata, on ne comprend pas pourquoi la personne est inclinée puisque le but c'est étant de la noyer. Un autre exemple en bateau jutsu, nous avons un CTKata qui s'appelle Usuda, qui signifie le champ de riz, dans lequel il y a des tout petits pas très rapides qui n'ont aucun sens si on ne comprend pas que ce CTKata pouvait être pratiqué avec un petit peu d'eau dans le champ de riz et qu'il fallait adapter son pas à la difficulté de l'environnement. Voilà. Encore hier, concernant cette fois-ci du jujutsu, Shidoshi Jandan me rappelait que tel mouvement sur une saisie pour déséquilibrer la personne, à l'origine avait plutôt pour but de casser le bras et surtout de saisir le tanto qui se trouvait à sa ceinture. Voilà. Et là, voilà, si le simple détail du tanto présent dans le hobby donne tout son sens à la technique parce qu'on comprend pourquoi la technique a été faite à l'origine et comment elle a évolué par la suite. Donc, on pourrait également parler du contexte culturel pour, par exemple, la cérémonie du thé, la présence d'armes masquées comme l'éventail de guerre, le tessen, puisqu'on ne portait pas d'armes lors de la cérémonie du thé. Donc, voilà, comprendre les techniques des arts martiaux, quels qu'ils soient, en l'occurrence ici les arts martiaux japonais, ne prennent tout leur sens au XXIe siècle, que si on les met en rapport avec l'histoire, avec la géographie, avec la culture du Japon féodal, le contexte, la connaissance même quasiment ethnique et anthropologique qui permet de vraiment réaliser pourquoi on fait tel ou tel mouvement. Voilà. En partie, par exemple, dans les techniques Shizen, il y a beaucoup de techniques à main nue, de frappe à main nue, main ouverte, qui est utilisée dans le cas d'un combat contre armure, où évidemment, fermer le poing sur une armure, ça va plutôt créer des dégâts chez celui qui frappe. Également, une manière de serrer les poings qu'on ne peut pas comprendre si on ne savait pas qu'il pouvait tenir des pierres dans les mains, cette fois-ci, lorsqu'il combattait contre une armure. Voilà, ou des mouvements qui sont très marqués ethniquement parce qu'ils viennent d'un peuple d'agriculteurs et qu'ils peuvent rappeler le maniement de la hache ou d'instruments agraires. Voilà. Donc, grâce à l'école Kaseno Ryu et grâce à l'enseignement de Shidoshi Jordan, petit à petit, je progresse dans ma connaissance des techniques, des critères de réussite, et puis dans la connaissance des historiques, anthropologiques, qui permet de donner sens à tout ceci.